Good morning, allez, Iden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat François Fajiben Khana, Janine Ruidbat Fortuna, Mazal Fetna, Kloch, Nombre Ben Shalom, et Ishaïa Ben Ninda. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions ma Sechet PA, Perigdalet, Mishnachet. Kayot Sebo, Hamakdish Perota, Avatilo Baoule Onatama Asot, Ufdaan, Chayavin. Mishé Baoule Onatama Asot, Ufdaan, Chayavin. Igdishan, Achelo, Nigmeru, Ugimaran, Agizbar, Vachakar, Pdaan, Pturim. Shvishat, Chovatan, Hayou, Pturim. Même principe que la Mishnah précédente, je rappelle la généralité. Il y a toutes sortes de mitzvot où tu es imposable, à un instant précis tu deviens imposable. Si au moment d'être imposable, tu as une quelconque raison pourquoi tu as une dispense, tu seras dispensé pour toujours. A titre d'exemple, je reprends le cas de la Mishnah précédente cette fois-ci. Lorsque je cueille, je dois laisser la paix. Si jamais la récolte appartient à la trésorerie du Beth Amikdash, elle est dispensée de la paix, comme le goy. C'est le même limoud. Maintenant, si moi, ma récolte, je la sanctifie et je la rachète, alors on s'intéresse, si tu la rachètes, c'est-à-dire, si tu la sanctifies, à quel moment on va s'intéresser, à quel moment tu vas la sanctifier et la racheter. Parce que si tu sanctifies ta... Tu vas être Magdish, tu vas sanctifier ta dvoua, ta récolte, tes céréales, lorsqu'elles sont encore au sol. Mais tu vas ensuite les cueillir en accord avec la trésorerie du Beth Amikdash, parce que c'est le moment de les cueillir. Tu vas les cueillir, et puis après tu vas le racheter. Il s'avère qu'au moment de la moisson, eh bien tu étais dispensé de la PA, puisque ça appartenait au Hekdesh. Tu as raté le moment imposable de la PA, tu seras dispensé de la PA. C'était le principe de la mission précédente. Et à présent, on va le revoir avec de nouveau une autre situation, c'est le devoir de prélever les tourmots ou maasot. De prélever les mains, lorsqu'on a une récolte, lorsqu'on a des fruits, une fois qu'on les fait rentrer chez soi à la maison, eh bien on a le devoir de prélever, de donner la tourma au Kohen, le maaser Rishon no Levi, maaser Sheni, il faut prendre Yerushalayim, donner aux pauvres. D'accord? Donc tourma, maaser Rishon. Alors maintenant, à quel moment la tvoua, la récolte, elle devient imposable de donner les maasot? À quel moment il faut donner les maasrot? Précisément lorsque tu récoltes tout, que tu vas tout en faire un tas, ça s'appelle faire un... Tu vas faire maintenant le miroir. Tu vas te mémarer. C'est-à-dire que l'usage, il est... Une fois que tu as fini de prendre tout ton blé, et que tu l'as battu, et que tu as récolté, après tu reprends maintenant tout ton blé, et tu vas en faire un tas, prêt à engranger. À ce moment-là précis, c'est là où maintenant ton blé devient imposable de maaser. Si tu en consommais avant, tu n'étais pas encore imposable de maaser. À ce moment-là, ça devient imposable de maaser. Donc du coup, même principe, quelqu'un il va sanctifier toute sa récolte qu'il a déjà cueillie. Est-ce qu'il va être imposable de maaser? Il va sanctifier et puis après il va racheter, bien sûr. Il sanctifie parce qu'il veut donner toute la valeur, toute sa récolte, il va la donner. Il l'offre au Beth Amikdash, c'est-à-dire la valeur, et puis après, ben, il va la racheter, il va dire, bon, ça coûte ça 1000 shekels, je prends 1000 shekels, je transfère à la Kdusha, il faut ajouter aussi un cinquième, je transfère à la Kdusha des fruits sur cet argent, et l'argent, il l'amène au trésorier du Beth Amikdash, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc du coup, au moment où tu deviens imposable du maaser, on s'intéresse à savoir à qui appartiennent les fruits. S'ils t'appartiennent à toi, alors tu es imposable de ton maasrot. Mais si, au moment où ils sont, en théorie, imposables du maaser, ils appartiennent, ils sont encore dans la propriété du gizbar, du Beth Amikdash, de la trésorerie du Beth Amikdash, dans ce cas-là, ils ne sont pas imposables de Tourmot-Maasrot, ils sont dans ce cas-là dispensés pour toujours de Tourmot-Maasrot. Alors j'explique maintenant, on fait ça dans les mots, Amagdish Kayot Sebo, comme même principe, Kayot Sebo, le même principe, Amagdish Perotav, celui qui va sanctifier ses fruits, Adchelo Baoul et Ronata Maasrot, tant qu'ils ne sont pas encore, ils sont pas encore arrivés à la saison des maasers, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore atteint le moment où ils sont imposables de maaser, comme nous dit le Bartanura, le miroir, comme Shumashve Pneakri, Berachat. C'est une fois qu'on va maintenant, on va maintenant aplanir tout ce qu'on a réuni en même temps du blé, c'est le miroir, chat miroir. Alors, donc, il a sanctifié, Amagish Perotav, Achelo Borlonaton, c'est-à-dire qu'il a sanctifié ses fruits, tant qu'ils n'ont pas encore été imposables. Ils ne sont pas encore arrivés au moment où ils sont imposables du maaser. Oufdan, mais il les rachète tout de suite. Ça veut dire que maintenant, j'ai pour le moment cueilli tout mon blé. Il reste pour le moment par terre. On les a ramassés, on a fait des... On ramasse toujours comme ça en bottes. Et puis on les attache directement en bottes. Donc j'ai laissé pour le moment toutes les bottes
sont posées par terre. C'est pas encore imposable le maaser, j'ai pas encore réuni le maaser. Si je sanctifie, et puis après, le lendemain, je viens, je rachète immédiatement, avant d'avoir tout ramassé. Alors dans ce cas-là, chayav, chayavin, ils sont imposables de maaser. Pourquoi? Parce qu'au moment où les fruits vont devenir imposables de maaser, c'est au moment où tu vas tous les réunir. Au moment où tu les réunis, ils t'appartiennent à toi, tu es imposable de maaser. Par contre, et de même, Mishébaoule onatama sotuvdaan, chayavin, de même aussi. Si tu les as déjà ramassés, tu as déjà tout, bah tu tombes, tu as tout ramassé, tu en as fait un grand tas. Et une fois que tu as le tas qui est là, tu dis, allez, je donne tout. Hacham, il m'a aidé, je sanctifie tout ça au Beth Amigdash. Donc, ça a déjà été imposable, puisque tu as déjà tout réuni. Après, tu sanctifies au Beth Amigdash et tu rachètes. Après, tu prends la contre-valeur, tu prends l'argent, tu transfères la Gdoucha, tu es podé, tu rachètes la Gdoucha des fruits, tu la fais passer sur l'argent. Tes fruits sont imposables de Troumato Maasrot, de Maasrot. Pourquoi? Parce que tu t'es déjà imposé des Maasrot. Ok? C'est Mishéba Oulé Noata Maasrot of Dan, Daino Igdishan Mishéba Oulé Noata Maasrot of Dan, les a sanctifiés depuis, après qu'ils soient déjà arrivés au moment imposable de la PA, des Troumato Maasrot. Et après, il les a rachetés. Chayavin, ils sont imposables. Par contre, Igdishan Achelo Nigmeru, par contre, s'il les a sanctifiés, tant qu'ils n'étaient pas encore imposables, tant qu'ils n'étaient pas encore finis, ça veut dire qu'ils n'avaient pas encore fini d'être prêts pour la Troumato Maasrot. Il y avait encore du travail à faire, c'est le principe. Quand on veut en faire un tas, ça veut dire qu'on a atteint la finalité prêt à engranger. D'accord? Donc là, l'onigmero, ils n'ont pas encore été finis, parce que pour le moment, il y a encore du travail à faire, il faut continuer à être méamère et tout ça. Donc du coup, il les a sanctifiés auparavant, il les a sanctifiés tant qu'ils ne sont pas encore imposables. Ougmaran a Gizbar, et le Gizbar a achevé le travail, puisque maintenant ça appartient au Mikdesh, il n'a plus le Gizbar est venu, ils sont occupés de s'occuper de tout le blé et d'en faire le tas. Ve'achar Karpda, et après il vient le propriétaire et il les rachète, dans ce cas-là, Ptourin, ses fruits seront dispensés de Tourmot, dispensés de prélever les Maasrot. Pour quelle raison? Shibishat, Rovatan, Ayub Ptourin, parce qu'au moment où ils étaient théoriquement imposables, ils avaient une dispense, et donc. La mitzvah ne va plus être imposable après coup. Puisque le moment où ça doit être imposable, c'était pas en situation d'être imposable. Donc, tu es passé, tu as reçu un pass pour ne pas être imposable par les Troumato Maasrot. D'accord? Par les Maasrot. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov U'Seyach.